Le nouvel expert de Marié au premier regard, thérapeute de couple, a déjà tourné avec Adriana Carambeu et explique pourquoi il n'a pas pu l'aider à sauver son mariage. Les téléspectateurs de M6 le découvriront plus personnellement ce lundi 20 mars en tant que nouvel expert de Marié au premier regard, mais beaucoup le reconnaîtront sans doute déjà pour avoir participé à diverses émissions radio et télé. Médecin sexologue et thérapeute de couple, Gilbert Boujaoudé est le remplaçant du psychologue Pascal de Souterre qui était présent depuis la toute première saison de l'émission, en 2017. Le spécialiste a notamment eu des expériences dans On est fait pour s'entendre, l'émission de Flavie Flamand sur RTL, en tant qu'expert sexo, dans Comment ça va bien comme chroniqueur, mais aussi dans le magazine de la santé en tant que responsable de la rubrique médecine sexuelle ou encore dernièrement Les pouvoirs extraordinaires du corps humain aux côtés du duo constitué par Michel Simès et Adriana Carambeu. Adriana Carambeu séparée depuis fin 2022, interrogée ce 15 mars dans Ici Paris à l'occasion de l'arrivée de la nouvelle saison de l'émission de télé-réalité de M6, l'expert n'a pas échappé, au cours de l'interview, à une question sur sa camarade de tournage Adriana Carambeu. La mannequin a en effet annoncé il y a quelques mois sa séparation de son mari Aramo Anion avec qui elle a eu sa fille Nina en 2018. En décembre dernier, sur son compte Instagram, elle écrivait « 12 années magnifiques passées ensemble. J'ai vibré à chaque instant. Je n'aille jamais autant ri qu'à tes côtés. Notre histoire est belle et je l'ai tant aimée. Pourtant, aujourd'hui, nous avons décidé ensemble de prendre des routes séparées. Une fin de route qui s'éloigne de ce que le thérapeute Gilbert Boujaoudé qui a participé à des émissions à ses côtés évite habituellement à ses patients. Ça m'empêche d'avoir un travail professionnel avec elle. Dans son entretien, le journaliste du magazine a ainsi demandé au spécialiste s'il n'avait rien pu faire pour sauver le couple de la top modèle. Et le nouvel expert d'origine libanaise s'est voulu très clair, disons que notre relation a été suffisamment amicale pour que ça m'empêche d'avoir un travail professionnel à faire avec elle. Et puis si est-il souvent difficile pour les médecins de soigner les gens qu'ils connaissent bien. Celui qui participe à aider les candidats de l'émission de rencontre à l'aveugle a décidé s'ils veulent rester mariés ou non, s'est finalement aussi confié sur sa propre vie sentimentale et s'est dit heureux en amour. Le hasard fait que, comme l'émission qui existe depuis 7 ans, je fête aussi mes 7 ans d'amour, a-t-il avoué, ajoutant, et je suis papa d'une ado de 12 ans. À lire aussi Marié au premier regard 2023, Pascal de Souterre remplacé par un nouvel expert. Bien connu des téléspectateurs.